Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te proposer un petit tutoriel déco très simple à faire avec pas beaucoup de produits afin que tu puisses créer des lianes toi-même pour ton petit caméléon. Alors comme je te l'ai dit, tu vas voir, ça va être super simple, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. C'est vraiment quelque chose de super bien parce que ça ne te revient pas très cher et tu peux choisir la longueur que tu veux pour la liane afin que tu puisses la mettre dans le flexarium de ton caméléon. Pour les produits, il te faudra des petits contenants. Là, moi par exemple, j'ai pris des tupperwares dont un où dedans j'ai mis de l'humus de coco que tu peux acheter en animalerie. Je te laisserai les liens comme d'habitude dans la description. Il te faudra également du terreau, du jungle blending par exemple, ça fera suffisamment l'affaire, de la ficelle, bien évidemment des gants, bon, ciseaux, couteaux, voilà, et de la résine. Cette résine-là, ça va être l'Elastupor 2.0. J'ai fait une petite vidéo que je te glisse juste là sur le unboxing de ma précédente commande chez Bébézorus. Pas besoin de beaucoup de choses, c'est à la portée de tout le monde. On va commencer tout de suite le tutoriel. Tu vas voir, comme je te l'ai dit encore une fois, c'est super simple et c'est à la portée de tous. Donc, première chose à faire, ça va être au niveau de la ficelle. Ce que tu vas devoir faire, c'est prendre quand même une bonne longueur de ficelle. Tac. Bon, ça revient pas très cher, comme je t'ai dit. Les deux bobines, là, j'en ai eu pour environ 2 euros, 2,50 euros. Enfin, l'humus de coco, il me semble que je l'ai payé dans les 3-4 euros. Le jungle bending, c'est des sacs, il y en a en 10 litres ou 20 litres. Et ça vaut quand même, je crois que le 10 litres, il vaut dans les 10-15 euros. L'Elastupor 2.0, il vaut une vingtaine d'euros. Et après, les gants, tout ça, voilà quoi. C'est pas non plus. C'est à la portée de toutes les bourses, quoi. Tac. Tu coupes ta ficelle. Je vais la couper en deux. Et vu que je vais la tresser, je vais en prendre une troisième à la même distance à peu près que les deux autres. Je coupe encore une fois. Je vais faire un nœud au bout. Alors si tu entends un petit peu des bruits dans la vidéo, c'est tout à fait normal. Je suis à l'extérieur. Il y a mon toutou qui est là aussi. Il y a de la vie. Même si j'habite à la montagne. Donc désolé par avance si jamais tu entends des bruits un petit peu trop gênants. Choisis-toi un endroit où quand même tu pourras attacher ta petite corde si tu es tout seul afin de pouvoir tresser convenablement le truc. Après, si tu fais pas des belles tresses, si tu sais pas faire des tresses ou quoi que ce soit là, c'est pas grave du tout. L'important, c'est en fait de faire une liane. Donc si tu es pas coiffeur ou si tu sais pas tresser, c'est pas un drame. Donc, comme tu peux voir, j'ai pris vraiment une grande distance afin de faire une belle et grande liane. Je vais démarrer tout de suite le tressage. Ça va être la partie la plus longue parce que bien évidemment, au plus c'est long, plus ça va mettre du temps. Je vais tresser le bordel. Voilà, donc en gros, faudra quand même un petit peu de patience. Ça se fait pas comme ça, surtout en plus avec une longueur pareille. Eh ben, tu peux t'en mêler un petit peu dans les fils. Du coup, je vais un petit peu en profiter pour bavarder avec toi et
te rappeler quelques règles élémentaires à suivre pour le maintien du caméléon, le furcifère pardalis. Déjà, première chose très importante, ça va être d'avoir quand même un flexarium et pas un terrarium. Le truc, c'est que il y a des flexariums qui sont hybrides et il y a des flexariums qui sont entièrement grillagés. Si tu prends un hybride, le taux d'humidité et la chaleur ne sera pas la même que dans le flexarium complètement grillagé. Donc en fait, ce sera peut-être des paramètres qui seront un peu plus difficiles à gérer. Dis-toi que ton caméléon, sous le point chaud en journée, donc il va avoir besoin d'une température d'environ 30-31 degrés. Je te parle là pour le furcifère pardalis, hein, pas pour les autres. Parce que chaque espèce, en fait, a besoin de paramètres qui sont différents les unes des autres espèces. Dans le flexarium, la température, à certains endroits, va être quand même beaucoup moins chaude. Ça va être du 24-25 degrés. Au niveau du taux d'humidité, en journée, il va varier entre 50 et 60%. Dans la nuit, par contre, il faut que ce soit au-delà des 70%, même je dirais des 75%. Il faut que tu maintiennes la nuit quand même un taux d'humidité très élevé. Donc si tu satures en humidité, c'est top. Pour ce qui est du maintien, je t'ai fait une petite vidéo, la toute première, que je te glisse juste là, comme d'habitude, en fiche. Comme ça, tu pourras un petit peu te faire une idée de comment bien installer ton caméléon et ainsi lui donner tout ce qu'il faut afin qu'il soit au top. Il y a les lumières, il y a les plantes. Au niveau de la déco à l'intérieur du flexarium de Monsieur Edgar, j'ai mis des plantes naturelles. Alors, je préfère mettre les plantes naturelles car déjà, c'est plus sympathique que les plantes artificielles. Et en plus de ça, ça a une meilleure rétention d'humidité, du taux d'humidité. Donc, ce qui est parfait pour la nuit et un peu pour la journée. Tandis que bon, les fausses plantes, elles retiennent quand même beaucoup moins le taux d'humidité. C'est du plastique. Je suis pas très fan, quoi. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, chacun en décide comme il veut. Si toi, tu as envie de mettre des plantes en plastique, c'est ton choix. Et puis, je le respecte, quoi. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis plus là pour aider, donner des petits conseils, faire des petits tutos, comme tu vois là, quoi. Comme tu peux le voir de temps en temps, comme tu peux le voir quand même assez régulièrement dans mes vidéos, Monsieur Edgar, il se balade. Pour ce qui est de la manipulation des caméléons, c'est pas très bon de le faire tous les jours. Moi, Monsieur Edgar, il sort bon quand je fais les vidéos parce qu'il a envie de sortir. Mais sinon, la plupart du temps, je le laisse tranquille dans son flexarium. Il a à manger, il a à boire. Il a quand même un bon espace, parce que j'ai mis deux flexariums en un. Donc du coup, il se retrouve avec du 120 par 120 sur 60 de profondeur. Il fait quand même une bonne cage. Après, au plus c'est grand, au mieux c'est. Donc, il y a même des personnes qui construisent elles-mêmes leur flexarium avec leur dimension qu'ils désirent. Ce sera sûrement d'ailleurs un futur projet. Comme je disais, un futur projet, je pense que déjà, là j'ai un gros chantier en préparation
Il y aura une vidéo qui sortira dessus, bien évidemment. Ce sera pour une déco à l'extérieur du flexarium de Monsieur Edgar. Bon, c'est mon ami qui va pas être content parce que bon, j'ai déjà une pièce rien que pour eux. Car oui, je les ai mis dans une autre pièce. Les caméléons sont assez sensibles aux odeurs. Donc, si tu en as un chez toi et que tu fumes, essaye de fumer quand même dehors. Évite les odeurs de cuisine aussi. C'est pas bon, ils apprécient pas. Tu peux leur dédier une pièce rien que pour eux, c'est quand même mieux. Alors oui, c'est une petite bête qui demande quand même beaucoup d'espace et d'attention, quoi. J'essaie de faire vite quand même parce qu'il y a le vent qui se lève. Je fais aussi une petite vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire. Où dedans, je te parle un petit peu des UVB, un petit peu de tout, que je te glisse juste là, en fiche d'info. Comme ça, tu pourras te faire une petite idée sur tout ça. Hop. J'arrive bientôt à la fin, c'est génial. Bon, comme tu peux le voir, enfin, je sais pas si tu le vois là sur la vidéo, mais ça nous fait quand même un bon 2m50, allez, peut-être un peu plus. Bon, voilà, comme tu as pu le voir, je suis rentré parce qu'il y avait vraiment trop de vent dehors. Et j'ai terminé ma liane. Enfin, ma liane, le tressage de ma corde. Je vais commencer à enduire ma corde que j'ai tressée avec l'Elastuport 2.0. Tu prends un contenant vide, un petit tupperware ou autre. L'Elastuport, ça se présente comme ça, une résine. Je vais prendre ma corde et bien évidemment, je vais la mettre dedans et je vais l'enduire. Il faut qu'il y en ait sur toute la corde parce que quand après je vais le tremper dans mon mélange d'humus de coco avec le jungle bending, il y en ait vraiment partout. Tu vois, l'humus de coco, ça se présente comme ça. T'as plus qu'à effriter le bordel. Monsieur Edgar, bien évidemment, derrière qui veut sortir. Bon, vu que Monsieur Edgar, là, il veut sortir et que il me le fait bien ressentir, je suis allé me laver les mains. Je me suis mis du gel hydroalcoolique, très important. Comme je te l'ai dit, c'est des animaux qui sont territoriaux, donc tu peux pas élever deux caméléons ensemble, que ce soit mâle-mâle, mâle-femelle ou femelle-femelle. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir vraiment des trucs qui sont quand même assez graves. L'un qui va stresser, l'autre qui va dominer, et celui qui va être stressé, il va tomber malade ou même pire, mourir. Donc c'est vraiment pas bon du tout d'élever deux caméléons dans un même flexarium. Donc là, j'effrite encore une fois mon petit mélange. Tu vas voir qu'en fait, franchement, les caméléons, c'est super docile. C'est assez beau à voir évoluer. C'est vraiment un animal génial, quoi. Bon, la queue qui est préhensible aussi et la langue qui se projette sur les insectes quand ils mangent, quoi. C'est quand même assez hallucinant à voir. C'est vraiment des petites merveilles de la nature, un gros coup de cœur. Donc voilà, tu vois, je peux pas vraiment le laisser sans surveillance parce qu'il a tendance à faire un peu le fou, un peu le casse-cou. Du coup, il faut que je fasse quand même très attention. J'ai fait mon petit mélange donc de jungle bending et de coco. Donc le résultat. Là, je vais prendre. Hop. N'hésite pas à presser comme ça la liane, à rajouter
tu rajoutes du terreau dessus. Le quotidien d'un caméléon, ça va être, il se réveille, il va boire l'eau qui est sur les feuilles ou au goutte à goutte. Il va se mettre sous la lampe chauffante pour se thermoréguler, un peu sous l'UVB, et après il va commencer à se balader dans le flexarium et à chasser. En tous les cas, moi c'est ce que fait Monsieur Edgar. Une fois qu'il a fini de chasser, qu'il a mangé, il se remet au niveau du point chaud pendant presque des fois 2 heures, voire même plus. Et après, il va encore commencer à bouger dans son flexarium et un petit peu se balader dedans. Je te mets une petite vidéo également aussi sur comment bien nourrir son caméléon. J'espère que celle-ci t'aidera un petit peu à te faire une idée sur quelle nourriture donner à ton caméléon et à quelle fréquence en fonction de l'âge. Parce que oui, en fonction de l'âge, tu vas mettre plus de nourriture quand ils sont bébés, enfin plus en quantité. Et quand ils sont adultes, tu vas en mettre quand même beaucoup moins. Et il peut y avoir même un jour, voire 2 jours de jeûne dans la semaine. Voilà, j'ai ma petite liane qui est presque finie. Tu vois, avec une taille adaptée pour les pattes du caméléon. Maintenant, le truc que je vais faire, c'est que je vais la laisser sécher. Je vais l'arroser. Je vais la tremper dans de l'eau afin que ça élimine un petit peu toutes les poussières, tout ça. Et après, je vais pouvoir commencer à l'installer dans le flexarium. Ça fait vraiment un effet naturel avec des petites racines qui ressortent. Je te remonte encore une fois. Tu vois, il y a vraiment un effet naturel qui est super sympa. Et encore une fois, pas cher du tout. Donc voilà, je vais te répéter un petit peu les étapes pour que tu puisses faire convenablement cette liane. Alors, il te faut de l'Elastuport 2.0, des gants, des contenants, donc des tupperwares, une paire de ciseaux et de la ficelle, de la corde de cuisine, quoi. Tu vas tresser ta corde en fonction de la longueur que tu désires. Une fois que celle-ci est tressée, tu la trempes dans un des contenants où tu auras versé un peu d'Elastuport. N'oublie pas de mettre les gants afin de ne pas en avoir partout non plus. Tu en enduis vraiment bien comme il faut ta corde. Une fois que celle-ci est enduite, tu la mets dans le bac où tu auras mis l'humus de coco et le mélange avec le substrat. N'hésite pas à mettre du substrat dans ta main et à presser afin que ta cordelette elle en est vraiment bien enduite aussi. J'espère que cette petite vidéo tuto t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fera également super plaisir. N'oublie pas également de suivre les aventures de Monsieur Edgar sur TikTok et sur Instagram. En attendant de futures vidéos, je te dis à très vite.